Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Ils sont de plus en plus nombreux, les lieux où bat le cœur de Kinshasa, de Bandalungwa à Njili en passant par Kalamu, la capitale congolaise, réinventent tous les jours ces espaces d'ambiance. Les festivals des grillades sont permanents dans les rues et certains coins réputés. L'ambiance à Kin est à gogo. Reportage à suivre. La République démocratique du Congo va commémorer la journée internationale des luttes contre la drogue. Des cannabis, cocaïne et héroïne ont été incinérés devant les autorités du pays à Kinshasa, histoire d'afficher la bonne intention du gouvernement, celle de combattre les antivaleurs, les temps forts de ces événements, tout de suite dans ce journal. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur nos antennes. D'abord, cette nouvelle, le chef de l'État poursuit son séjour dans le Grand Katanga. Il est arrivé hier vendredi à Kalemie, dans la nouvelle province de Tanganyika. Dans son adresse, Joseph Kabila a invité la population à se présenter à l'enrôlement des électeurs prévu dans les jours à venir par la CENI. Il a indiqué que les opérations d'enrôlement des électeurs devraient démarrer au mois de juillet, à moins en tout cas d'un changement des dernières heures. Et dans la capitale, les partis politiques congolaises devraient désormais compter avec une nouvelle formation politique. Il s'agit de l'ADN, l'Alliance des démocraties pour une nouvelle république. L'ADN se veut un parti qui donnera des réponses favorables aux problèmes des Congolais, mais aussi impulser la jeunesse et encourager celle-ci à s'approprier les Congo démocratiques. Un reportage signé Rachel Kichita et Doudou Kasuba. À l'heure où le Congo entre dans une période déterminante de son histoire politique, certains Congolais refusent de se taire politiquement. C'est dans le souci d'apporter sa pierre dans les débats politiques et la gestion de la chose publique que l'Alliance démocratique pour une nouvelle république a été créée. Constituée en majorité des jeunes, ils veulent faire entendre leur voix et apporter une solution tant soit peu aux problèmes des Congolais. Ce sont des jeunes qui sont consciencieux, qui ont réfléchi sur l'avenir de leur pays et ont décidé de créer leur propre parti politique parce que ça ne sert à rien d'être derrière les partis. Des gens qui sont égoïstes et qui pensent qu'à eux-mêmes. Et souvent, les jeunes sont utilisés comme marche-pied pour accéder au pouvoir. Alors, il faudrait que les jeunes apprennent à se réunir. Ceux qui pensent que la social-démocratie est la meilleure, je les invite à se joindre à nous parce que nous sommes un parti social-démocrate et ensemble, nous allons réfléchir comment utiliser les principes de la social-démocratie pour développer notre pays. Dialogue politique toujours d'actualité, l'ADN donne son point de vue. Nous pensons que la communauté internationale, parce que la résolution concerne les Nations Unies par son organe qui est le Conseil de sécurité, la communauté internationale qui est neutre, précisément l'ONU, qui est neutre, je pense que c'est l'ONU qui peut proposer une version qui n'aura pas des agendas cachés derrière les dialogues. Alors, en lisant la résolution 2277, nous considérons que c'est la plus bonne manière de faire les dialogues, c'est-à-dire faire un dialogue et que les dialogues ne remplacent pas une juridiction et que les dialogues ne soient pas un lieu où on doit rédiger une nouvelle constitution. Kinshasa abrite la première édition du marché Made in Congo. Les marchés scindés en deux parties, notamment la foire B2C et le forum B2C. Les industries et sociétés locales exposent leurs produits. Cette foire économique est une initiative du ministère de l'Industrie. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui et ses rideaux vont se baisser le 30 juin prochain. Le lancement a eu lieu sur la place du 30 juin à la gare centrale de Kinshasa. Félix Ilunga et Alain Zongola. Le marché Made in Congo a ouvert ses portes à Kinshasa. Des produits locaux sont exposés, notamment ceux de Bukangalonzo, d'Aipen et autres. Occasion est donnée aux industries, aux PME et innovateurs des divers domaines du secteur industriel congolais. La foire permet aux industriels de promouvoir leurs produits et services, mais aussi aux consommateurs de découvrir une gamme de fabriques locales. N'oubliez pas que nous dépensons plus d'1,5 milliard de dollars chaque année en importation. Ces industriels qui croient à la République démocratique du Congo doivent sentir qu'à chacune des étapes de leur évolution, le gouvernement est là pour les accompagner. L'idée, c'est aussi de dire aux autres entreprises qu'elles peuvent venir en République démocratique du Congo. C'est une terre d'espérance. Nous constatons effectivement que, quelle que soit la morosité du climat économique international, l'entreprise industrielle congolaise courageuse, patriote, citoyenne, qui tient
qui veut le faire savoir, et c'est le sens, si vous voulez, de cette rencontre, à laquelle il faut ajouter une dimension financement, puisqu'à partir de lundi, le forum B2B va commencer. L'initiative est plébiscitée. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait apporter à l'opinion publique et même appeler d'autres investisseurs congolais, même internationaux, de pouvoir emboîter le même pas. Je pense qu'au Congo, il y a une politique qui encourage l'industrie, qui fait la promotion réelle de l'industrie. Le marché Made in Congo comprend deux parties, notamment la foire pour l'exposition d'œuvres et le forum. Un forum qui va s'ouvrir lundi prochain. Il réunira les experts des divers horizons en vue de réfléchir sur l'émergence de l'industrie congolaise. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, vous le savez, mais cette option de la Grande-Bretagne va entraîner des conséquences économiques. Les économistes prédisent cela et font cette analyse. L'économiste Al Kiteng, par exemple, apprécie la situation sous un œil plutôt social. Pour lui, le Royaume-Uni isolé ne vaut pas grand-chose. Suivons-le, il est au micro de Félix Ilunga et d'Alain Zongola. Le parti auquel appartient le Premier ministre actuel est un parti plutôt capitaliste et donc a eu le tort de négliger pendant longtemps les questions sociales. Et très malheureusement, aujourd'hui, payant le prix de leur politique, le pays tout entier. Oui, bien sûr, le Royaume-Uni, lui-même déjà isolé, ne vaut pas grand-chose sur l'échiquier international. Vous savez, aujourd'hui, la politique de regroupement consiste à donner du poids à toute autre entité afin de résister aux deux grandes entités qui dominent le monde, à savoir les États-Unis, qui ont à eux seuls une grande taille, et la Chine. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on constate que les pays que l'on appelle les pays émergents essayent de se regrouper pour être en mesure de peser. Ça dépend du Premier ministre qui va prendre ses fonctions. Il faut compter minimum un an. Parce que c'est un long processus, on ne défait pas ce qui a existé pendant des années, un coup de bâton magique, mais il y a des choses par lesquelles ils vont devoir commencer, c'est éventuellement leur orientation stratégique, et bien entendu un certain nombre d'engagements économiques liés au simple fait qu'ils appartiennent à un même espace économique. Disons que la première chose, c'est la population qui commençait à penser que l'ensemble des difficultés économiques auxquelles le pays faisait face était lié à la dominance de Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, et dans un certain nombre de directives. Et la peur du Royaume-Uni, c'était de pouvoir perdre le commandement de la monnaie, parce que c'est la seule chose qu'ils ont gardée de manière tout à fait différente et excentrée. C'est aussi, pensait-il, le risque d'être noyé par les autres pays européens faibles. Vous le savez peut-être, le ministre de la Santé a déclaré en début de semaine que la République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune. Félix Kabange Numbi a indiqué que la maladie est localisée dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Et dans le but d'éviter la chaîne de transmission, le programme national de l'hygiène aux frontières procède à la vaccination. Là-bas, on affirme avoir mis en place un système sanitaire à même ou capable d'atteindre même les coins les plus reculés. Élisée Mafou et Doudou Kassouba. Vacciner, c'est prévenir et sauver des vies. Tel est le rôle que joue le programme national de l'hygiène aux frontières. Présente déjà sur les sols congolais, l'épidémie de la fièvre jaune est signalée à Kinshasa, dans le Kwango et dans la province du Congo central. Pour organiser la riposte, le ministère de la Santé a mis en place un mécanisme d'action pour arrêter la chaîne de transmission. Ces mesures se résument en ceci. Nous avons, pour notre part, renforcé la surveillance. Parce que nous sommes à la frontière, eh bien, pour tous ceux qui entrent et ceux qui sortent, nous avons renforcé la surveillance au moyen d'un screening, qui est un contrôle systématique des voyageurs qui entrent et qui sortent de notre pays. Il y a des mesures d'hygiène de base qui ont été recommandées aussi. Détruire ce qui pourrait servir de gîte de multiplication de ce vecteur-là. C'est ainsi qu'on a également envisagé la désinfection des maisons. La vaccination reste vraiment une recommandation importante
Donc, il ne faut pas aller acheter les certificats internationaux de vaccination. Le certificat international de vaccination ne devrait être délivré qu'à la suite d'une vaccination. Le vaccin est un produit hautement périssable, mais le docteur Théophile Bokengi affirme que le système sanitaire est doté de la logistique, notamment assurer le suivi de la chaîne de froid. En matière de vaccination, la chaîne du foie ne devrait en aucun moment être interrompue de peur de préjudicier la qualité du vaccin. Voilà, donc c'est garanti. Les mesures à prendre afin de se protéger contre la fièvre jaune sont entre autres assainir le milieu de vie, dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides et de surcroît se faire vacciner. Je suis venu me faire vacciner. Se faire vacciner, c'est aussi se protéger, c'est aussi connaître son état. Si j'arrive à connaître mon état par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, je peux faire comment me protéger. L'humanité va commémorer la journée des luttes contre la drogue et prévention du crime ce dimanche 26 juin à Kinshasa. La direction des stupéfiants de la coordination nationale, la police judiciaire, a procédé à l'incinération d'un lot important des drogues. C'était aujourd'hui au casier judiciaire à Gombe. Élisée Mafou. Au total, 5000 litres d'alcool indigène, 308 cartons de whisky communément appelé Supunatolo, 60 kilos de cannabis, 105 kepas d'héroïne et 1270 grammes de cocaïne, pour n'en citer que ceux-là, ont été incinérés au vu et au su de tout le monde. Une façon, selon le commissaire Roger Capolota, de lutter contre les crimes qui se commettent généralement sous l'effet de la drogue. Les phénomènes Kuluna, les viols, les banditismes, les braquages, les pillages sont vécus au quotidien dans notre société suite à la consommation de la drogue. Voilà pourquoi la police nationale congolaise n'a pas croisé les bras. Avec les moyens disponibles, les efforts fournis ont abouti au résultat à la destruction par incinération de ces drogues, suivant les programmes de la manifestation. L'abus de la drogue sous toutes ses formes engendre de multiples conséquences sur la société, occasion pour sensibiliser et conscientiser non seulement la police nationale de continuer à fournir des efforts pour éradiquer ces fléaux, mais aussi toute la population, car les effets de la drogue revêtent un intérêt général. Froide publique de Kinkolé, en tout cas, l'endroit n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette chambre froide ne fonctionne plus depuis bientôt 3 ans. Les gens sont contraints d'apprêter les poissons tous les jours ou presque, au risque de craindre faisander les poissons. Reportage, Sonny Moulopoué. Kinkolé, c'est toute une histoire. Kinkolé, c'est les ports, c'est sans ses rues et une chambre froide. Un lieu de conservation des poissons qui n'a jamais été fonctionnel pour des raisons diverses. Oui, ce que je devrais ajouter, c'est pour la réparation de la chambre froide. Parce que comme c'est une chambre froide de l'État qui est mise à la disposition des pêcheurs, alors nous demandons au gouvernement, soit au ministère, de pouvoir réparer cette chambre froide d'ici là pour qu'elle soit en marche. La situation a déstabilisé le fonctionnement de la chambre froide. Pas possible de conserver au frais les poissons. Pour contourner la question, les vendeuses doivent impérativement apprêter tous les poissons. Soit c'est du poisson en papillote, soit c'est du poisson braisé qui est présenté. Conséquence, la clientèle est souvent surprise de déguster du poisson faisandé une fois servi au lieu du poisson frais. Autrefois, il n'y avait qu'un seul endroit servant des thermomètres de l'ambiance dans la ville de Kinshasa, je vous le disais, à l'ouverture. Aujourd'hui, les lieux où bat le cœur de la capitale sont multiples, des Kalamu par Matongé à Njili vers le couloir Kimbuta en passant par Bandalungwa au bloc. Les grillades sont à foison ou les grillades foisonnent. Les viandes des chèvres et autres grillées se vendent tous les jours. On dirait qu'à Kin
ou à Kinshasa, la fête est permanente et non saisonnière. Alain Zongola. À Kinshasa, les grillades sont tous les jours à la portée de tous. Certains endroits ou coins de la ville sont des lieux de référence de vente des grillades. Dans un environnement où les gagne-pains restent un parcours des combattants, les Quinoises et Quinois réinventent chaque jour leur espace social. J'ai commencé ce travail il y a très longtemps, dit cette femme. Tout le monde me connaît au nom de Maman Dingari. Je fais du bon travail. C'est mon aliment préféré. C'est quotidiennement que je le consomme. Je ne peux pas passer une nuit sans avoir dégusté ces grillades. Avec 500 francs congolais, on peut déguster une brochette de bœuf. La viande des chèvres revient beaucoup plus chère. Tous ces lieux de vente des grillades donnent une identité à Kinshasa. Il y a toujours de l'ambiance qui accompagne ces cadres. À Matongé, Bandal et même au centre-ville, le festival des grillades est permanent. La capitale met tous les jours à la disposition de ceux qui aiment des saveurs cuites ou grillées tout ce qu'il faut. C'est ça Kinshasa la belle. Sport à présent, début ce samedi des huitièmes de finale de l'Euro 2016 à l'issue d'un match rythmé. La Pologne a écarté la Suisse lors de la séance des tirs au but 5-4 au temps réglementaire. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score d'un but partout. La Pologne s'est qualifiée ainsi pour la première fois en quart de finale de l'Euro. Elle affrontera en quart de finale le vainqueur du match Croatie-Portugal prévu ce soir. Autre nation qualifiée, le pays de Galles, les coéquipiers de Gareth Bale ont battu l'Irlande du Nord sur les scores d'un but à zéro. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient clore cette édition du journal. Merci de votre attention et très bon week-end à vous tous et bonne suite des programmes sur nos antennes.